Yes, putain, j'ai la dernière. Nourage, les mecs. Let's go. Vous pouvez pas regarder où vous allez, vous, quand vous jouez la console. Ah, oh, regardez-moi ce travail. Maintenant, elle est foutue, la console, ça se trouve. Putain, mais quel con de... Eh ben, finalement, pour un rustre, il a plutôt la peau douce. On dirait qu'elle est doublée en saucisson. Ça me rappelle mon enfance en Corrèze. Quelle main velue et virile. J'ai toujours préféré les singes aux zoos. C'est pour ça que mon main sur Overwatch, c'est Winston, d'ailleurs. Ah, la Corrèze, terre natale de Jacques Chirac. C'est sûrement un signe du destin et le début d'une belle amitié avec... Wow. Jean-Guy! What did you expect, Benzaï? Welcome to the hard corner, baby! Watch it, show me what you got! C'est Jean-Guillaume! En quatre syllabes, c'est pourtant pas compliqué, Benzaï! Jean-Guillaume! T'écoutes un peu ce que je te dis, Benzaï? Mais bien sûr que non, espèce de marouflard! D'ailleurs, je croyais qu'il t'avait interdit de sortir avant le coucher du soleil uniquement pour te nourrir d'excréments humains! Retourne donc dans ton égout! C'est marrant, je t'ai pas reconnu avec tes petites mèches violettes. On dirait un très mauvais personnage de Dragon Ball Fusion. Tu sais, je ne suis pas prêt d'oublier que tu as fait brûler ma boutique dans le but de fonder la tienne. Eh bien justement, moi je t'avais oublié, comme tous les abonnés de cette chaîne. Mais je suis sûr que tu n'as pas oublié Benzaï, qui était ton maître à Puyo Puyo. Savais-tu d'ailleurs que, dans les années 90, le jeu Puyo Puyo est sorti en France sous le nom de Dr. Robotnik Min Bean Machine? J'étais un peu choqué et déçu parce qu'on ne pouvait pas jouer Mr. Bean. Oh mais la ferme, tu comprends pas que c'est chiant quand tu parles? Cette console m'a coûté les yeux de la tête pour jouer à un jeu qui est déjà sorti sur Wii U. Mais au moins, je vais pouvoir t'affronter à Tetris ici et maintenant. Mais faut pas me prendre pour un sablero, Benzaï. Tu feras moins le capu malin quand tu verras la rouge que je vais te mettre. Prends ça. Attends, c'est désynchronisé. Voilà. J'avais pas tétrissé comme ça depuis le CM2. Et pourtant j'ai redoublé. Tu sais Benzaï, moi Tetris à l'époque j'ai joué sur Game Boy. Et ma première Game Boy, c'était mon père, il l'avait gagné au Big Deal. Bon, il était un peu déçu, il aurait préféré une Twingo. Mais ma Game Boy était dédicacée par Vincent Lagaffe. Mais attends, avec tout ça, j'ai même pas encore eu le temps de tester cette nouvelle console de Nintendo. Attends, c'est simple. Il suffit de mettre la console dans le dock comme ça, et ça s'affiche en plein écran. Waouh, pas besoin de me mettre un porno japonais en gros plan, c'est bon quoi. Mais c'est pas du hentai, c'est le nouveau Zelda sur ma télé, cervelle de poichillon. D'accord, mais tu m'en voudras pas, je vais plutôt rester sur mode portable moi. Hein. Mais merde, j'ai plus de batterie. Bah attends, y'a pas de problème Benzaï, je prends le câble USB, je le branche comme ça, je mets le petit socle pour pas que ça se casse la gueule, je le pose... Ils ont pensé à tout chez Nintendo. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire déjà? On en parle de ce look de tablette Tarkos compatible MP4 abandonné dans un Easy Cash à Châteauroux? Mais pourtant, ça fait 10 ans que tous les smartphones ont le même visage et j'entends pas la plèbe se rebeller. Mais je veux dire, merde quoi! Comment je peux vivre en disant que ça, c'est le nouveau design de la dernière console Nintendo? On est loin de la GameCube qui a déjà 5 ans! Je crois plutôt qu'elle a 15 ans, hein, Benzaï. Pardon? Ça veut dire que je me nourris exclusivement en yaourt périmé? Faut quand même pas se plaindre du design, Benzaï. Ils ont fait un effort sur les couleurs. Moi, regarde, c'est la version verte et jaune. Non, Jean-Guy, ça, c'est la version noire. Noire?
Tu veux dire comme Super Mario? Bon bref, l'écran en tout cas est de toute beauté et la résolution 720p convient bien à sa taille. Mais l'arnaque c'est le mode TV, si le premier jeu est déjà rendu cradingue, j'imagine même pas la gueule de ceux qui vont sortir l'an prochain. Mais Benzaï, Zelda c'est vraiment l'aventure, le jeu d'exploration parfait, des sensations que je n'avais pas vécues depuis qu'on faisait péter des pétards dans les bouches de vache à Jouy sur Yvette. Je t'assure que la console vaut le coup rien que pour ce jeu-là. Mais non Jean-Guy, ça c'est le deuxième effet qui se coule de l'arnaque. Zelda n'est même pas exclu. Ça, c'est un jeu Wii U, Mario Kart il sort en retard, c'est un jeu Wii U, Fast Remix, c'est un jeu Wii U, Tetris c'est même un jeu Super NES, King of Fighters c'est carrément un jeu Neo Geo, et Twilight Princess HD, c'est un jeu GameCube sorti sur Wii U qui va sortir sur Switch. L'argument n'est percevable pour défendre la console en elle-même. Bah, si tu veux te concentrer sur les exclus, on peut jouer à One to Switch. Ok, on voit la sauce, mais ça a pas intérêt à être une espèce de merde gimmick avec un motion control foireux pour Bobo en dimanche qui boivent des shots et font leurs courses en Uber. Je sais pas, hein, on va voir, regarde voir. Vous voulez jouer et passer un bon moment? Ah, mais où tu vas? Y'a un jeu où il faut traire une vache! Rien à foutre, je préfère rejouer à No Man's Sky et faire semblant de m'amuser comme Atomium! Bah, au pire, un petit King of 98! Regarde, c'est pratique, je peux déclipser chaque Joy-Con et les tenir à l'horizontale pour faire une manette classique tout à fait ergonomique! Enfin, ça marche seulement si on a un tyrannosaure! Et comme plus on est de fous, plus on rit, on peut connecter jusqu'à 8 Joy-Con pour jouer à Bomberman jusqu'au bout de la night. Seulement 90€ pour chaque paire supplémentaire. Non mais c'est une blague. Et la manette pro coûte seulement 70€, ce qui pourrait être cher, sans compter le petit message secret dans les circuits. Thank you for playing. Ça change des chinois qui se plaignent dans les batteries d'iPhone. Attends, 70€ pour le plagiat de la manette Xbox? Oui, mais pour toute commande dans les 24 heures, Nintendo rajoute ce magnifique couteau en céramique, idéal pour les jambonneaux et autres filets mignons. Mais je veux dire merde quoi, 90€ pour ces deux Wiimote version passe-partout du Fort Boyard! Moi dans Fort Boyard, je préférais la boule. D'ailleurs, je l'ai croisé à Bressuire, mais il m'a jamais rappelé. Non mais attends une seconde, est-ce qu'on peut parler du fait que la seule exclue de la console, à part Bomberman auquel je pouvais jouer à 10 déjà sur Saturn il y a 20 ans, c'est One Two Switch, un jeu à 50 balles moins fun que Wii Sport il y a pourtant 10 ans! Bonjour l'évolution, sachant que 10 ans avant c'était Mario 64 et 10 ans plus tôt c'était Super Mario Bros. Où sont les jeux du futur, bordel? Je vieillis à vue d'œil et chaque année ce goût de promesses brisées dans la bouche. Mais au moins dans One Two Switch, je peux faire semblant d'être Harry Potter. Et ça, ça n'a pas de prix, Benzaï. Si c'est un prix, 50 balles! C'est le prix d'Horizon, For Honor, Ghost Recon, Styx, Nier Automata, Mass Effect, Persona 5 et celui de ta maman! Et je parle que des jeux sortis ce mois-ci! Peut-être, Benzaï, mais tous ces jeux-là avant, moi je pouvais pas y jouer dans mon lit! Et là, je m'amuse comme un petit fou! Nintendo! Mais qu'est-ce qu'on fout là? Alors par contre, s'il y a bien un souci avec cette console, c'est que les cartouches ont un goût de dégueulasse! Alors que les cartouches de 3DS, c'était mon péché mignon, un pouce rouge Nintendo! Non mais sérieux, et puis c'est quoi ce doc de l'arnaque? Un simple câble déguisé en boîtier TNT qui arrive à rayer les consoles? Difficile de faire plus de cheap! Eh ben regarde, ils ont quand même mis un beau logo multicolore sur le devant! Et ça c'est incomparable, Benzaï! T'as vu? Ça brille! Non mais attends! Pourquoi t'as acheté cette console si t'aimes jamais rien? Et cette remarque vaut aussi pour le cinéma, Benzaï. Mais parce qu'elle est introuvable, Jean-Guy! Si le fait de choper la dernière du magasin a pu faire chialer un enfant juste devant moi, ça vaut tous les One Two Switch du monde! Pour 300€, ça fait cher l'alarme d'enfant. Et pourtant, Dieu sait que j'adore ça. Quoi, 300 balles pour cette connerie? Mais suis-je con? Heureusement que j'ai filmé ce petit con sur Snapchat. Ah oui, t'as ça en mémoire? Montre-moi. Tiens, regarde. Je l'ai eu avant toi, y'en a plus. Nananer, allez, mange tes morts, Kylian. Je vais pas jouer avec ça pour garder du porno. Bonjour madame, vous rentrez ou pas? C'est vrai que c'est séduisant. T'es quelqu'un de bien, Benzaï, en fait. Je t'avais mal jugé. Ça te dit, je vais acheter du manga pour qu'on puisse continuer à jouer? Ah ouais, sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas vomi du manga, tiens. Je te confie, Bibiche, et pas d'infidélité, hein, parce que, entre elle et moi, c'est déjà une histoire d'amour. Je t'aime. Te désynchronise pas, hein. J'en reviens. Comment ça marche, ce truc? Oh, laisse-toi faire. Oh, y'a des poils. Ah. Oh, tu vas rentrer, oui. Benzaï! Mais enfin! Mais qu'est-ce que tu fais, Benzaï? Je te faisais confiance, et je tourne dans 5 minutes, et t'es en train de fourrer ta Switch velue dans mon dock! J'ai le cœur brisé quand Bertrand a mis sa rampack dans ma 64! Vous êtes toutes les mêmes au final! Vous êtes toutes les mêmes! Ah, la 64 de Bertrand! Ah, je vais péter le stick à celle-là! Oh, c'était la tienne! Cette fois-ci, c'en est trop, Benzaï! C'est la goutte d'eau qui fait déborder la charité!
On va régler ça entre hommes. Et cette fois-ci, t'es mort, Benzaï. Avec les règles de la rue. Trayez. Regardez bien votre main pendant que vous trayez. Alors, Benzaï, on dirait bien que je tire mon épingle de jeu de quilles. C'est qui le vrai mec ici? Sans vouloir te vexer, Jean-Guy, je crois plutôt qu'on fait dans ce sens-là. C'est pas ça la règle du jeu? Je suis en train de perdre. Non. Non. Non, non. Stop. J'ai perdu? Non. Non, je veux pas le croire. Je veux pas vivre dans un monde où je perds à One to Switch. Tue-moi. Tue-moi. Tue-moi, je t'en supplie. Tue-moi. Allez, tire. Tire, tue-moi. Tue-moi, je mérite pas de vivre. Tue-moi. Excusez-moi, vous auriez pas une clope? Hein? Ouais, bien sûr, mais... Eh, hey, ce serait pas la nouvelle Nintendo Switch? Tu sais pas, garde la console. Moi, je pourrais plus jamais y jouer. Eh, hey, cool, merci. En plus, y'a Mario qui sort en fin d'année. Quoi? Y'a Mario en fin d'année? Mais c'est la meilleure console du monde! Rends-moi ça, toi!